Hello, bonjour, oui, je sais, je fais pas beaucoup de vidéos, parce que comme vous pouvez le voir, justement, avec les murs derrière moi, il y a beaucoup de projets. Mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo, parce que j'ai eu l'occasion de faire une exposition solo autour de mes photographies pendant tout le mois de septembre dans un bar. Donc j'ai envie de vous montrer quelques petites images pour vous en remercier, surtout vous qui étiez là le jour du vernissage. Et en même temps, par la même occasion, j'en ai profité pour vous poser quelques petites questions, comme par exemple, dites-moi un mot sur l'exposition. Bon visionnage, à très bientôt. Amazing! Ah, je suis gênée! Déjà, j'adore ces photos de base, donc après, je dirais genre réussi. Je prends des vraiment belles photos, surtout la photo dans l'eau. Elles sont toutes belles, hein, mais celle dans l'eau, elle est magnifique. Splendide! Et ma préférée, c'est celle dans l'eau. Un mot, yes! Éléphant. Je sais pas, tu m'as demandé un mot là, comme ça, j'ai pas de. Moi aussi, j'ai quitté celle dans l'eau et le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est profond. Intéressante. En vrai, arrête! Non, Bruno, tu me stresses de ouf. Intéressant. Ça envoie à d'autres réflexions. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est très stimulant. En vrai, moi, ce qui m'a frappé, c'est le paradoxe entre les photos colorées et les photos en noir et blanc. Ah non, mais attends, c'est pas un mot, moi, c'est une question. Ben, pose une question alors. D'accord. Pourquoi les photos qui sont en polaroid avec un air brûlé, pourquoi cette idée, d'où elle t'est venue? Pourquoi t'as brûlé les photos pour qu'elles soient un peu abstraites? Afin de répondre à cette question tout à fait pertinente, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo deux autres vidéos pour avoir plus d'explications concernant les polaroids que j'ai pu réaliser. Et pour ceux qui auraient la flemme de regarder ces deux autres vidéos, je vous ferai un résumé très bref. Ça m'amusait. Allez, on continue. Original. J'ai envie d'aller aux toilettes. Moi, je te suis, hein. Alors, que pensez-vous de l'exposition? Je vais au chiottes, Il y a de très belles photos, très jolies. Originalité. Franchement, vive l'absinthe. Tu fais une vidéo, là? Oui, c'est une vidéo. Ah, super. Vous voulez voir mes trous de nez, la vidéo? Aïe. Un mot sur l'exposition Souffrance. Non, sinon, la couleur. Pas mal de couleurs aussi, des contrastes de couleurs et tout, j'adore. Beaucoup de talent, ce mec. Dans quelques années, ça va se vendre des millions. Voilà, sachez-le. L'exposition était alcoolisée. Alors, je suis venue ici pour voir Bruno Boss et son art. Vraiment, je le trouve passionnant parce qu'il touche à tout. J'ai déjà vu ses photos sur Instagram et voilà, maintenant, je les vois en vrai, imprimées dans un bar. Et ça rend super bien. Spectaculaire. Naturel, proche de la terre et très humain. Exceptionnel. C'est une nana qui vient de l'Epsan, mais après... De l'Epsan. Ouais, de l'Epsan. Bruno dans la radio. Bruno, je te fais une photo. Arrête de bouger. Expo, tu m'as demandé un mot. Expo, stylé.